Mon nom, c'est Joël de Bellefeuille. Je suis fondateur du Coalition Rouge. On est un groupe de pression. On fait du lobbyisme à propos du racisme systémique et discrimination ici à Québec, puis tout au Canada aussi. Donc, on aide les familles, les victimes à propos qui sont des victimes de discrimination, quoi que ce soit du profilage racial, au travail, à la banque, au commerce, n'importe quoi. Aujourd'hui, on est ici à propos d'un décès d'un monsieur Nikos DeAndre Spring, qui a perdu la vie aux prisons de Bordeaux. Ça fait à peu près 10 à 15 jours de ça. Donc, on est ici pour le support de la famille. Puis aussi, on demande une enquête publique sur le décès de M. Spring. Merci. Quand vous avez fondé Rouge Coalition, c'était quoi l'idée? Pourquoi vous voulez assister à la communauté? Mais en 2009, moi-même, j'étais la victime de profilage racial avec la police de Longueuil. Ils m'ont arrêté puis ils m'ont dit que le nom de Bellefeuille sonne comme un nom québécois, puis ni pour un homme de race noire, ni une autre origine. Donc, ça a pris 3 ans avant que j'ai gagné cette décision-là en cours. Puis c'était le premier cas où est-ce qu'un juge a écrit qu'il y avait du profilage racial dans un dossier ici à Québec. 3 ans plus tard, en 2012, il y avait un autre cas avec la ville de Longueuil à propos d'un autre cas de profilage racial avec moi. Ils m'ont arrêté à propos de façon aléatoire. J'ai allé en cours là-dessus. 8 ans plus tard, le 17 novembre 2020, il y avait une décision du tribunal qui ont vu que la ville de Longueuil, plus les polices, étaient coupables encore de me profiler. Puis ils ont demandé des actions systémiques à faire, à collection des données. Puis ils ont fait un ordre pour la ville de Longueuil et les polices d'avoir la formation pour toutes les polices à la ville de Longueuil. Donc, tout ça qui m'est arrivé en 2021, j'ai décidé de fonder la Coalition Rouge, la Red Coalition, pour être pas seulement moi, c'est pas seulement moi qui est une victime de profilage. Il y a beaucoup de monde qui sont là-dedans. Donc, je voulais aider des gens. Donc, c'est comme ça que j'ai fondé la Coalition Rouge. Tout est nous. C'est quoi le message auquel vous pouvez partager aux gens qui ont le même problème que vous avez ou bien pour éviter ça dans leur communauté? Oui, non. La chose qui est plus importante, c'est de communiquer, de faire des plaintes. De plus de monde qui parle à propos de leurs problèmes ou comme qui sont victimes, le plus que les choses vont changer. Si du monde ne parle pas à propos de ça, comment qu'on va trouver une solution pour attaquer le problème? Donc, j'encourage les gens de soumettre les plaintes, de parler, puis c'est ça. Est-ce que vous êtes content des activités? Et puis, c'est quoi? Si les gens veulent avoir vos services, comment vous cherchez? Mais on a un site web, on est tout partout, comme je te dis, au Internet, sur les plateformes sociaux. Ils peuvent aller à redcoalition.ca. Il y a toute l'information sur le site. Il y a un endroit où des gens ils peuvent soumettre un plainte. Puis, ou de l'appeler. On a des hotlines. On a de façon que les gens, s'ils ne veulent pas écrire, ils peuvent peser un bouton sur le site pour faire une plainte vocale. Puis, ça vient à tout le monde, à tous les gens, les directeurs. Puis, on les appelle, on fait les consultations avant. Puis, on décide si on va faire un conférence de presse, si des plaintes aux déontologies, des plaintes au CDPDG ou quoi que ce soit, on est là pour aider du monde.